Frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 28 septembre 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « Priez pour un cœur réceptif ». Priez pour un cœur réceptif. L'écriture du jour est Jacques chapitre 1, le verset 21. Et Jacques chapitre 1, le verset 21 nous dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Le pasteur Christ nous dit ceci. Quel que soit ce que vous dites, quand vous partagez la parole de Dieu avec les autres, cela ne pourrait pas marcher à moins que l'Esprit Saint ne touche leur cœur. Vous pourrez prêcher, enseigner, mais si l'Esprit de Dieu ne touche pas leur cœur, ce ne serait pas effectif. C'est pourquoi la prière est cruciale. Lorsque vous priez pour les autres dans ce contexte, ce n'est pas à propos de vous, mais de leur cœur. Que le Seigneur leur donne un cœur réceptif et que les ténèbres qui aveuglent leur cœur soient dispersées et que le pouvoir du diable qui les maintient dans la servitude soit brisé. Rappelez-vous des paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. Il a dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Par conséquent, j'ai appris à prier en disant « Au nom du Seigneur Jésus, toi, esprit diabolique des ténèbres, qui a aveuglé et voilé le cœur de telle personne pour l'empêcher de voir et de comprendre la parole, je brise ton influence sur son esprit et sa pensée. Quand j'ai commencé par faire cela, j'ai eu de merveilleux résultats. L'Esprit Saint a ouvert leur cœur pour recevoir les vérités et les enseignements de la parole de Dieu sans distraction. S'il y avait une dureté de n'importe quelle sorte ou une résistance, avant de les rencontrer, elle sera dissoute et en eux une faim et une soif profonde pour le spirituel sera attisée. Loué soit Dieu, oh Alléluia! Priez toujours avec ferveur pour ceux à qui et avec qui vous partagez la parole de Dieu. En faisant cela, la puissance transformative de la parole qui apporte la conviction, la compréhension et le désir d'une relation plus intime avec le Seigneur seront attisées dans leur cœur. Oh, Alléluia! Amen! Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je prie pour ceux à qui je prêche l'Évangile. Je prie qu'ils soient réceptifs à ta parole. Pendant que ta sagesse bondit du message et inonde leur cœur, ils empruntent le sentier de la sagesse, de la connaissance et de la compréhension en étant illuminés, rafraîchis, informés et fortifiés pour accomplir leur but en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 19 et Jacques chapitre 5, le verset 16. Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 19 et Jacques, chapitre 5, le verset 16. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel.
Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.